Et salut les amis du blog Talents Centre France. Alors comme d'habitude, vous savez, je vous fais découvrir toujours des talents de la région Centre-Val-de-Loire. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous faire rencontrer quelqu'un que je connais bien, parce qu'il habite pas loin de chez moi, et je me suis dit que quand même, ça serait pas mal de vous faire connaître un tatoueur, artiste tatoueur. Johan, bonjour. Salut. Alors, raconte-moi un petit peu, comment ça t'est venu, cette idée de devenir tatouer. Ah, par hasard, en fait. Quand j'étais plus jeune, je traînais un petit peu avec pas forcément les bonnes personnes. Je faisais un petit peu de graffiti et j'ai un vieux punk qui m'a dit tu dessines bien, pourquoi tu tatouerais pas? Et je savais pas trop à l'époque comment tatouer, tout ça. Ils m'ont expliqué comment me fabriquer une machine et comment évoluer sur la peau, quoi. Et j'ai trouvé que la peau, c'était vraiment le support suprême. Donc depuis 22 ans maintenant, je tatoue, quoi. Et dessine toujours. T'es où ici? On est où ici? À Ono. D'accord. Et moi, je suis d'origine bretonne. Je viens de Paimpol. Ça va plaire aux Bretons, hein? Je viens de Paimpol. Ils sont partout, les Bretons, hein? Ouais, ils sont partout comme la misère. Je pensais pas à ça, mais. Non, mais c'est vrai. Et puis après, j'ai jamais arrêté ça depuis le temps, quoi, depuis 22 ans. Quoi. D'accord. Et j'adore travailler freestyle, feeling. C'est ce que je vois. Toujours, quoi. Tu travailles sur inspiration? Ouais, ou sans, des fois juste tu prends les crayons et puis t'es parti, tu sais pas ce que tu fais, mais à la fin t'as un résultat, quoi. Comment ça te vient l'inspiration? Ça te prend? C'est comme la musique? Ouais, c'est comme la musique, faut pas trop la chercher, en fait. Plus on la cherche, moins on y arrive, quoi. C'est pas organisé, à un moment donné t'as envie de dessiner, tu dessines. Non, jamais. À chaque fois que je me force, j'y arrive pas dans tous les cas. Alors est-ce qu'il y a de l'inspiration par rapport à la différence de l'humain que tu rencontres? Ouais, bah carrément, moi après tout, je sais que tous les tatouages que je fais, je vois avec la personne en général, et puis ils vont me donner 2-3 idées, ils vont m'expliquer ce qu'ils ont envie, et puis après tu ressens la personne comment elle est, et puis tu ressens plus ou moins ce qui lui collerait bien à la peau, quoi. Donc je fais comme ça vient dans ma tête, comme ça vient dans mon corps, quoi. Puis en général je me trompe rarement, je suis vachement instinctif comme garçon, quoi, donc toujours à l'instinct, quoi. Bon, Johan, si on veut te rencontrer, si on veut en savoir plus, j'ai appris qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je fais les Paris Bateau Mouche à Paris le 9 et 10 septembre. Donc, super convention, c'est la première fois qu'ils la font sur les bateaux mouches, sur la Seine. C'est juste exceptionnel, il n'y a que des putains d'artistes. C'est quand? Les 9 et 10 septembre. D'accord. 9 et 10 septembre. Donc, j'y serai le samedi, on se retrouve? On se retrouve là-bas. Allez, les amis du blog, on s'y retrouve aussi. Bye. Merci, Johan. Au revoir. Bye.